Je m'appelle Venixiana Stevenson. Je sais, c'est un nom qui paraît faux, inventé, pourtant c'est le mien. Je le jure. Mais vous n'êtes pas forcé de me croire, ma parole ne vaut pas grand-chose. Je suis une aventurière. L'aventure est une affaire trop sérieuse pour qu'on la laisse aux mains des hommes. Ce n'est pas le cas de la guerre. Aujourd'hui, 11 novembre 1918, c'est l'armistice. La France et ses alliés ont gagné, l'Allemagne a perdu. L'Europe n'est plus peuplée que de survivants. Cortot, lui, je me demande pour qui il se bat. Certainement pas pour ses intérêts. Je ne peux pas non plus affirmer qu'il a fait la guerre, ou alors à sa manière, en restant libre lui aussi. En gentilhomme de fortune. Cortot, incurable romantique. C'est à Venise que nous nous sommes quittés, trop rapidement à mon gré. Mais pourquoi faut-il qu'entre nous tout se termine par des coups de feu? C'est dans ma nature, soit, je l'admets. L'un de mes amants, un joaillier de la place Vendôme à Paris, m'avait surnommé « Je t'aime, je te tue ». Il avait vu juste le malheureux. N'empêche, sans cet aéroplane providentiel, qui sait ce que me réservait le beau Cortot? En m'enfuyant de Venise, en effectuant mon repli stratégique, j'ai survolé la lagune, puis le front de la Piave. Les divisions françaises et anglaises, 8 au total, se préparaient à soutenir les Italiens. C'est là que devait avoir lieu, le 24 octobre 1917, la bataille de Caporetto. Il paraît que les Italiens ont beau se considérer comme les vainqueurs de la guerre, ils ne sont pas encore remis de leur humiliante défaite contre les Autrichiens. Il paraît aussi que Cortot était là, enfin pas très loin, sur un bateau à quelques kilomètres des côtes. D'après mes informations, le 21 décembre 1917 évidemment, Cortot était en Angleterre, sur le site de Stonehenge, dans la plaine de Salisbury, au sud-ouest de Londres. Il date de la préhistoire. La nuit des sorciers pratiquent leur rite, et au solstice d'été, des cérémonies réunissent plusieurs centaines de druides. C'est vous dire si, pour ma part, je n'ai jamais éprouvé le besoin d'y aller. Quant à Cortot, je ne sais ce qu'il y faisait. Personne n'a pu me renseigner sur ce point. À un policier qui lui posait la question, il aurait répondu « Dormir, rêver peut-être ». Ce qui, à mon avis, cache une affaire de femme ou d'espionnage. Au printemps de cette année 1918, dernière de la guerre, Cortot était en France, entre Corbie et Bray. C'est là que fut abattu le 21 avril à Vaux-sur-Somme l'aviateur allemand Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge. Je l'ai un peu connu du temps où je vivais à Graz, en Autriche. Il y passait l'été. Il promenait son dog allemand, moi mon lévrier. Je sentais que je ne lui étais pas indifférente, que je le troublais. Mais il se méfiait. Manfred a toujours vécu avec sa mère ou dans son avion. Voici la peau que les Indiens ont arrachée au dos de notre malheureux frère. Regardez, c'est sur ce parchemin qu'un prisonnier portugais a dessiné la carte des civils d'or de Cibola, le mythique El Dorado. Peu de gens connaissent l'existence de ces villes, et ceux qui connaissent l'existence de cette carte sont plus rares encore. Qu'est-ce que c'est? Un avion. Il passe par ici presque tous les soirs. Un avion autrichien. Il est descendu bien bas. S'il y avait une mitrailleuse sur le toit, il pourrait l'abattre. La jeune fille qui demeure là n'a pas de mitrailleuse, elle est paralysée. Elle reste des heures à sa fenêtre. Elle chante en s'accompagnant à la harpe, des airs doux et tristes. C'est pour cela que les gens d'ici l'ont surnommée l'ange à la fenêtre d'Orient. Elle vit avec deux domestiques et un jardinier. C'est lui qui l'a amenée ici l'autre jour. Elle aussi, c'était cette carte qu'elle voulait voir. La carte des civils de Cibola. C'est peut-être un ange, mais qui défie les lois militaires en laissant sa fenêtre allumée. De toute façon, c'est pas mon affaire. Messieurs, voici de modestes offrandes, pour Saint-François et pour Saint-Dominique. Vous avez parlé de civils, et elles sont 6 sur la peau de votre moine. Mais moi, je sais qu'il y en a 7. Dans l'émission du Haut Maranon, il y avait des Hébreux convertis auprès des frères jésuites. Ce sont eux qui relataient la vie de la mission. Va voir Melchisédek, dans le vieux ghetto. Melchisédek, t'es un ami de Steiner. Dieu te pardonne ta curiosité, Corto Maltese, elle te perdra. Mais voici frère Marc. Reviens dans quelques jours, Corto. Je t'aurais fait faire une copie de la carte. C'est étrange. Regardez, cet homme ne rame pas comme nous. Prêt.
Dis-moi, Scarso, tu as entendu parler de l'ange et la fenêtre d'Orient? Bien sûr. C'est une jeune fille de vieille noble famille. La nuit, elle chante, elle étudie. Pourquoi me demandes-tu ça? Comme ça, sans raison. Parce qu'hier soir, je suis passé devant chez elle. Regarde plutôt cette merveille de sfoggio que nous t'avons préparée. Ah, vous aussi, vous avez remarqué. Quoi donc? Permettez-moi de me présenter, Antonio Sorrentino, capitaine des carabiniers. Corto Maltese. Je peux. Et vous aussi, vous trouvez étrange cette lumière à la fenêtre de notre ange, avec tous ces va-et-vient d'avions ennemis? Oh, moi, je trouve rien. Je me contente de chercher. J'ai voulu prendre des mesures, mais on m'a fait comprendre de ne pas insister. Alors je ferme les yeux, pour le moment. Merci. Cet ange-là a un ange gardien, qui chante peut-être moins bien que lui, mais dont l'influence est considérable. Ce sont des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas de Venise, n'est-ce pas, monsieur Maltese? Hélas, non. Je pourrais savoir ce qui vous y amène? Hélas, non. Mais rassurez-vous, c'est une affaire qui n'a à voir ni avec les anges, ni avec la guerre. Eh bien, tant mieux. Le contraire m'ennuierait beaucoup. M'accompagner jusque dans l'autre monde, Sorrentino? J'espère bien m'arrêter avant, mais disons que je suis d'un tempérament cordial. Et méfiant. J'ai du temps de libre, voilà tout. Je vais rester un peu ici, chez Gambara. Vous pourrez m'y rejoindre ou bien à la vedette. Lorsque vous aurez vu Melchizedek. Ah, parce que vous savez où je vais. Bonjour. Je viens de la part de Steiner. Je cherche le docteur Melchizedek. Mais alors, tu es... Bien sûr, tu es Corto Maltese. Viens, viens. Moi, je suis Esther. Esther Melchizedek. Grand-père, grand-père, Corto Maltese est arrivé. Approche, mon garçon. Steiner m'a beaucoup parlé de toi dans ses lettres. Alors, il t'a sans doute parlé de mes recherches sur les sept villes de Cibola. Oui, mais c'est au monastère de Saint-François du désert que tu devrais aller. J'y suis allé. J'ai trouvé des informations sur six d'entre elles, mais rien sur la septième. Laisse-nous, Esther. Va préparer du thé. Sunrise. Tel est le nom de la septième ville. Sunrise. C'est du moins ce que rapporte le journal d'Eliphas Gomara, le marin qui accompagnait le jésuite Juan Salinas de Loyola en 1560. Et ce journal? C'est étrange, il y a quelques jours, une personne est venue me voir exactement pour la même chose. Une jeune aristocrate vénitienne dans un fauteuil roulant. Elle avait un grain de beauté au coin d'un œil, mais je ne me souviens plus si c'était le gauche ou le droit. Oh mon Dieu, quel malheur! La page a disparu, elle a été arrachée. C'est cette femme, cette... Grand-père, grand-père, les avions! Les avions, ils bombardent, vous entendez? Ils vont nous tuer! Ils arrivent, qu'est-ce que nous allons venir? Calme-toi, ma petite fille, calme-toi. Personne ne bombardera Venise, jamais. C'est impossible. Je dois te laisser, Melchizedek. Je regrette de te voir partir, Corto. Au revoir et bonne chance. Souviens-toi que tu auras toujours une maison ici. Au revoir, Corto. Au revoir. Commencez à désespérer. Je me suis perdu. Retournons à Malamocco. Faisons-en le grand tour. J'aimerais voir si l'ange a laissé sa fenêtre éclairée cette nuit-ci. Vous avez vu? Il a laissé tomber quelque chose. Regardez, on a éteint la lumière. Je vais lui couper les ailes, moi, c'est pas de malheur. J'arrive pas à me relever, capitaine. Je peux pas. Tu reviens! Mais...
Il s'est acharné contre nous. Il ne voulait sûrement pas laisser de témoin. Ce message qu'il a laissé tomber, c'est sûrement important. La lumière s'est rallumée. Si je n'étais pas blessé, j'irai dans cette maison. Tout de suite. Ouais, ça va, Sorrentino, j'ai compris. J'y vais. J'ai pied. Avec un peu de chance, ça devrait continuer comme ça jusqu'à cette satanée maison. Et dire que je m'étais juré de ne pas me mêler de cette guerre. Nous ne sommes plus des enfants, n'est-ce pas? Cette marionnette appartient à mon oncle, le comte Gozzi. Il dirige le dernier théâtre comique. C'est bien triste d'ailleurs qu'il n'y en ait plus d'autres des théâtres comiques. Mais qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Nous avons été attaqués par un avion autrichien. Mes compagnons sont morts, l'avion a été abattu lui aussi. Je suis venu demander de l'aide. Mais montez, monsieur, montez. Venez vers moi, puisque je ne peux pas descendre vers vous. Ainsi, c'est vous? L'ange à la fenêtre d'Orient? Un beau nom, n'est-ce pas? Mais je ne l'ai pas choisi. Les moines de Saint-François m'ont parlé de vous. Et que vous ont-ils dit? La même chose que Melchizedek, dans le vieux ghetto. Que vous vous intéressez aux sept villes de l'Eldorado. Eh bien, nous sommes deux, alors. Je l'avoue, je trouve cette légende de l'Eldorado mille fois plus excitante que toutes ces querelles de frontières dont on nous rebat les oreilles depuis cet attentat à Sarajevo. Vous aimez cet air de Benedetto Marcello? Veneziana. Veneziana Stevenson. Tu m'avais reconnu? Ce grain de beauté, près des yeux. Tu ne l'as pas oublié? Ah, il y a des rencontres qui ne s'oublient pas. Mais je te croyais morte là-bas, dans le Honduras. Dis-moi franchement, est-ce que j'ai l'air d'une morte? Ils ont abattu mon frère. Le message qu'ils nous avaient lancé disait que tout était prêt. Nous aurions trouvé les laissés-passer à Trieste. Je suis désolé, je ne voulais pas tuer votre frère et je n'ai rien contre votre pays. Mais nous non plus, Corto, nous n'avons rien contre toi. Quant à cette guerre, nous nous en servons, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Veneziana? On s'en débarrasse. Nous finirons par le retrouver un jour ou l'autre du côté de l'Eldorado. Ne bougez pas! Les Vénitiens vont être désolés d'apprendre que leur ange était une aventurière et qu'elle abritait des espions. Fuis, Veneziana! Va-t'en, Veneziana. Ne la laissez pas s'enfuir, Corto! On n'arrête pas un hydravion avec un revolver. On peut parfois tuer son pilote. Je vous ai aidé, Sorrentino. Maintenant, ne me faites pas la morale. Nous devons aller chez le commandant. Allez-y sans moi. Mais vous méritez la croix. Je ne veux ni croix, ni médaille, c'est entendu? Tout ce que je veux, c'est trouver quelqu'un qui m'amène à Saint-François du désert. L'or de l'Eldorado, qu'il soit maudit et que tous ceux qui s'en approchent brûlent en enfer. Enfin, tout sauf toi, Corto Maltese. Un franciscain ne doit pas maudire, Séraphin. Tu connais la nouvelle? Cette douce jeune fille malade, cette érudite que nous avions si souvent reçue ici, tu te souviens? Eh bien, c'était une espionne. Tu en es sûr? On ne parle que de ça à Venise et dans les îles ce matin. Quand je pense qu'elle ne consultait nos reliques que par intérêt,
Mais tout comme moi, frère Séraphin. Regarde-toi, Corto. Viens. Je t'ai fait faire une copie de la carte. Avant cette saloperie de guerre, le pilote était un de mes clients, un gentleman, de la famille des comtes d'Aquilea. Ni autrichienne, ni italienne. Quand je pense que c'est mon ami Sorrentino qui l'a descendu, à coup de mitrailleuse... Tu es très bien informé, œil de fée. C'est parce que je suis gondolier, et fils de gondolier. Dans ce métier, se tenir au courant, c'est aussi important que de savoir ramer. Je dois prendre mes affaires à Malamocco et être de retour à 7h, place Saint-Mars, possible? T'inquiète pas, je suis le meilleur gondolier de Venise. Tu es sûr de vouloir partir dès ce soir? De le vouloir, non. J'en suis pas sûr, mais il le faut. Cette ville est très belle. Trop belle. Je finirai par me laisser prendre à ses charmes. Je deviendrai paresseux. Venise serait ma fin? Notre fin, pour le moment, d'autres s'en occupent très bien. Et ils ne nous laissent pas le choix. On a toujours le choix. Après tout, tu as peut-être raison de t'en aller. C'est vrai que tous mes amis sont paresseux. Tiens. Le vert, le rouge, le jaune, le bleu, le blanc et le noir se sont rencontrés chez Vascon, l'âme de Tolède, pour rejoindre leur chef. Qu'est-ce que c'est, une devinette? Non, garde-le. C'était dans les papiers de Veneziana. Où vas-tu aller maintenant? À Tolède? Non, je crois pas. J'espère que nous nous reverrons après cette guerre. Moi aussi. Mais disons-nous tout de même, adieu, c'est plus sûr. Un au revoir pourrait nous porter malchance. Adieu, Corto. Adieu, Sorrentino. Belle maison, n'est-ce pas? Elle appartient à une jeune fille, une paralytique. À elle seule, elle aurait abattu 4 ou 5 avions autrichiens. Une affaire d'espionnage, apparemment. Un capitaine des carabiniers serait même compromis. Une bien étrange histoire, en tout cas. Très étrange, oui. Une jeune fille paralytique qui abat 5 ou 6 avions autrichiens avec une fronde. Hé, hey, minute! J'ai dit 4 ou 5. Et je n'ai jamais parlé de fronde. Mais si, une fronde de fabrication suisse placée sur le toit du palais et qui... Mais hé, hey, attendez, oh! Allô? Ici Dragonneur 15, le lieutenant Borojevic. Je vois un mouvement de troupes ennemies à cette écasonie. Position 7-15, 7-19. 7-15, 7-19. Bizarre. Il ne devrait plus y avoir de troupes ennemies dans ce coin-là. Cette écasonnée a été évacuée il y a 2 jours par les Italiens. C'est vrai. J'ai surveillé hier ce secteur, il n'y avait personne. C'est même nos troupes qui devraient s'y trouver. Le 4e des Uhlans. T-I-N-T-O-R-E. Tintoretto. Parfait. Si l'on m'avait dit qu'un jour le nom de ce peintre me ferait tant d'effet, tout se passe comme prévu. Les Italiens sont partis de cette zone, les Autrichiens n'y sont pas encore. Il n'y a rien à craindre. Je n'aime que la peinture impressionniste. Pas vous, Claude? T-I-N-T-O. C'est bon. C'est le message. Notre ami l'Autrichien a fait ce qu'il devait faire. C'est notre tour maintenant. As-tu déchiffré le message, Ernest Way? Oui. C'est le mot qu'on s'attend. L-T-O-O. Tintoretto. Je ne vois aucun message qui ressemble. Qu'est-ce que ça signifie? C'était un peintre de l'école baroque vénitienne du XVIe siècle. Quel rapport? Allô, Dragonneur 15? Dragonneur 15, répondez. Dragonneur 15, Tintoretto, qu'est-ce que ça veut dire? Répondez. Le téléphone n'a pas fonctionné. C'est Caporetto que j'ai transmis, pas Tintoretto. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Caporetto? Je ne comprends toujours pas. J'ai utilisé le miroir parce que je n'ai plus été en communication téléphonique avec vous. Pendant quelques minutes, il me semblait avoir vu un avion italien en direction de Caporetto. Pourquoi n'avez-vous pas encore bombardé la zone entre les positions 7, 15 et 7, 19? Il y a des Italiens là-bas. Allô, Dragonneur 15? Nous passons l'information à la section d'artillerie. Ils vont ouvrir le feu. Tiens, on bombarde un poste déjà évacué. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi non plus. Il faut quand même les avertir qu'avec leur bombardement, ils nous empêchent d'entrer à cette académie. Vas-y, et fais vite.
Elle doit être là. Maintenant, on va voir si les indications du pirate sont exactes. Un lieutenant des Hulans nous communique que nos bombardements sur les coordonnées 715-719 leur interdisent l'entrée de cette écasonnée, où il n'y a plus un seul Italien. Soit ton Oberlieutenant Radeschi est un imbécile, soit c'est un traître. Mais on ne travaille que par intérêt. Alors je vous demande. D'ailleurs, qui est ce Radeschi? Il appartient à une vieille famille de l'aristocratie. Oui, une très vieille famille. Pourquoi? Après cette guerre que nous allons perdre... Si, Bob Lévick. Que nous allons perdre. Après cette guerre, la situation des aristocrates risque d'être bien moins facile qu'avant. Et si celui-là n'est pas un imbécile, contrairement à la plupart de ses semblables, il se peut qu'il ait eu l'idée de sauver sa peau avant la catastrophe générale. Vous croyez vraiment? Il faut le faire redescendre sans éveiller ses soupçons. Nous y sommes! Le pirate avait raison. L'or du roi du Monténégro. Il y en a pour des millions de sterling. Le roi fuyait l'armée austro-hongroise. Il a préféré cacher l'or en Italie, en attendant des renforts. Mais ensuite, l'avancée des troupes autrichiennes a dépassé cette écasonnée. Et l'or s'est retrouvé inaccessible. Comment tu as su où étaient les caisses? Par un agent du parti républicain monténégrin. Maintenant que la monarchie a été destituée au Monténégro, ils veulent que cet or leur revienne, ou au moins une partie de cet or. Alors ils m'en ont offert la moitié pour le récupérer. Et si on gardait tout? Oublie ça, le grec. Pour un pirate, tu es trop honnête. Et si on prenait un verre d'ouzo? Je préfère ça. Plus en plus. Tant mieux. Comme ça, on ne risque pas d'être vu. Et puis, ça nous rappelle le pays. Tu as raison, Jonathan. Pressons-nous quand même. Les Français vont arriver. Nom d'ancien. D'où ils sortent, ceux-là? Maudit Hulan! Allons nous abriter dans l'église! Sur les lignes ennemies vers les Italiens. Finalement, il est loin d'être bête, ton ami Radeschi. Ce n'est pas mon ami. Préviens l'aviation, qu'il prépare mon avion. Cet aristocrate, j'en fais mon affaire. Ils sont peut-être fous, Claude, mais personne ne les vaut pour défendre l'argent. Là-dessus, le pirate a raison. Vous connaissez la peinture de Turner? Je vous ai déjà dit, la peinture et moi... Eh bien, ce qu'on voit là, ça ressemble un peu à un paysage de Turner. Bienvenue, Belfond. Bienvenue, Claude. Heureux de vous voir. Vous avez trouvé? Oui, exactement ce qu'avait dit le pirate, sous les dalles de la sacristie. Alors, tout s'est passé comme prévu? Oui, à part une patrouille de Hulans qui nous est tombée dessus. Et ça fait un bon moment qu'on ne les entend plus. C'est nous qui leur sommes tombés dessus, et ça m'étonnerait qu'ils en demandent. Il y en a beaucoup? Autant qu'on pouvait en espérer. Des millions de lingots d'or qui portent toutes les armoiries du Monténégro. Je n'aurais jamais imaginé participer à une si belle action militaire. La journée n'est pas finie. Le pirate nous attend. Tout est chargé. On peut y aller. J'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement pas de patrouille ennemie dans les environs. Profitons-en. Tu as vu, Gustave? Ces maudits Écossais, ils s'en vont. Pourquoi faut-il que tu vois toujours les choses en noir, compagnon? Ces Écossais, c'est nous qui les avons chassés. C'est nous qui avons repris cette écasonie. Et maintenant, si tu veux, et si Dieu le veut, entrons dans l'église.
On y trouvera bien une ou deux bougies pour nos moustaches. Ce Radetzky, ce n'est pas un aristocrate comme les autres, c'est quelqu'un de bien. Un Autrichien écœuré des saucisses, des valses de Strauss et de l'univers factice de son milieu. Il veut s'acheter une hacienda en Argentine. J'espère qu'il y arrivera. Mais comment as-tu fait pour le contacter? Tu ne pouvais quand même pas passer et repasser les lignes italiennes pour aller discuter avec lui? Non, bien sûr. Mais il me suffisait de rester au même endroit. Tous les deux ou trois jours, un village de la frontière changeait de camp. Il devenait Autrichien ou Italien, suivant les mouvements des troupes qui avançaient, qui battaient en retraite, et puis qui avançaient de nouveau. C'est vrai que depuis des mois, la guerre se résume à ça. Dans un de ces villages, sur le Piave, il y a un vin excellent. C'est là que j'ai fait la connaissance de Radetzky et de tous les autres. Des gens intelligents, qui suivent pas mal de cette guerre. Tu vas sauter sur ta moto et porter un message à la batterie du Vespossen. C'est très urgent. Ce Fritz a une chance infernale. Et nous, il vient de rater l'occasion de se partager sa part. Samy, ce type a risqué sa peau et mille fois plus que nous. Allons chercher. Tu parles de lui comme si c'était le mari de ta sœur. Pour nous, ça aurait été quand même mieux qu'il crève, non? Avoue-le, au moins. Cette histoire t'a rendu susceptible. T'étais pas comme ça, Ernest Ware, avant de rencontrer le pirate. T'aurais mieux fait de rester dans ta maison de maître à écrire des bobards pour les journaux. Ferme-la. Je suis vivant! Vivant! Vous avez fait du bon travail, Radetzky. Vivant! Vivant! Eh oui. Vous êtes un peu roussi, mais entier. Je ne vous entends pas, mon ami. Rien du tout. J'ai mal aux oreilles. Je n'entends rien. Je crois... Je suis devenu sourd. À ma veine. Tu veux parler? Le jour où il pleuvra de la soupe, tu auras une fourchette. Là, par amour de Dieu, boucle-la! Lieutenant, ils ont réussi à s'enfuir à bord d'une ambulance. Une ambulance ennemie? Dans cette zone? Bien, merci, mon capitaine. Tu sais ce que je vais faire de ma part? Je vais monter une flottille de bateaux de pêche. Et après? Après, avec ce que j'aurai gagné, je monterai une autre de pétroliers. Et toi? Oh, moi, j'ai beaucoup d'amis. Je dépenserai l'argent avec eux. Et avec elles. Du moins, si cette guerre absurde nous en reste le temps. Qu'est-ce qui tombe? De l'eau, mon vieux Claude. Et puis c'est mieux, non? Autant avoir cette belle plage pour nous tout seuls. Moi, j'aime bien la pluie. Moi, je ne déteste pas. Écoutez. Ernest Way. Bel fond. Toujours aussi chic. L'or, vous l'avez trouvé? Oui, oui, tout y est. C'est la plus belle opération militaire de toute cette guerre. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait mieux. Ni moi non plus. Je regrette, mais je n'entends rien. Radetzky, vous avez fait du beau travail. Le plus important, c'est que vous soyez vivant. Maintenant, nous devons attendre le pirate. Corto, ils sont là. J'ai fait mettre la chaloupe à la mer. Ils seront à bord d'ici une demi-heure. Maintenant, je peux te le dire, Anatis. C'était un plan complètement fou. Là, à droite. Un avant-poste italien. Des fusiliers marins du régiment de Saint-Marc. À gauche, c'est un régiment autrichien. Nous sommes bien entourés. Tiens, quelque chose attire leur attention du côté de la mer. Des Autrichiens, c'est sûrement des Autrichiens. Il faut prévenir l'état-major. Les Italiens nous attaquent avec les troupes alliées.
Sammy, tu es blessé? Comment te sens-tu? Comment tu veux que je me sente, écrivain? Comme un cochon sur une balançoire. Tous à bord! L'or est chargé! À tous les bataillons! Ouvrez le feu! Tire de barrage! L'ennemi a lancé une attaque! Prêtez l'artillerie! Major! J'ai l'impression qu'il s'agit d'un simple échange de balles! Un simple échange de balles? Qu'est-ce que ça veut dire? Un simple échange de balles? Il faut attaquer! Contre-attaquer! Les officiers ne passeront pas! Fais la volonté! Qu'est-ce que c'est que cette barque? Une tortue! Ces Grecs n'ont jamais su construire un bon bateau. Ici l'état-major italien. Je ne m'attendais pas à une attaque ennemie sur ce front. Mais nous n'avons pas le choix. N'est-ce pas, messieurs? Feu d'artillerie sur tout le secteur de Caorlé. Bienvenue à bord, mes amis. Et buvons à notre santé. À la santé des gentils hommes de fortune. Alors, tu as fini ton livre, Ernest Way? Presque. Je l'ai appelé « L'adieu au bataillon ». Un bien beau titre pour un livre de guerre. Comme prévu, la moitié de ce butin est à vous. Vous ferez le partage à part égale, à Tolède. Vous ne venez pas avec nous? Non, je ne viens pas avec vous. Mais vous donnerez ma part à la patronne de l'auberge du Gitanillo, près de l'ancienne synagogue, qui fut la maison du Greco. Et maintenant, messieurs, allons-nous-en avant que quelqu'un vienne gâcher la fête. Montre, oui ou non. Après toi, Oberon. Comme tu voudras. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends ton véritable aspect. Mais quel est mon véritable aspect? Je m'en souviens plus, moi. Arrête tes facéties. Notre terre est en danger. Alors, que se passe-t-il encore sous le ciel d'Angleterre? Les Allemands. Ils viennent de débarquer à Tintagel. Et puis, ces choses-là ne me regardent pas. Mais tu ne comprends rien, tête folle. Les Allemands, ils vont amener leurs Nyx, leurs dragons et leurs Nibelungen. Les elfes et les fées d'Angleterre ne peuvent pas rester les bras croisés. Lorelai, l'ondine du Rhin. On dit qu'elle est très belle. Ah non! Morgane. Nyx, Nibelungen et Valkyrie, ce sont tous des violents et des oppresseurs, je ne les supporte pas. Nous devons tous nous réunir. Bronis, Bogis, les Prochaumes, Poucas d'Irlande et Corrigan de Bretagne, tous contre les Saxons, comme il y a 15 siècles. Ça ne sera pas facile. Beaucoup d'entre nous dorment. Mais quelqu'un va nous aider. Qui donc? Le sage Merlin. Myrdin, Merlin, Myrdin. Quitte ton sommeil, Myrdin, Merlin, Myrdin. Nous avons besoin de toi. Qui m'a détourné de mes songes? Qui a osé? Hélas, Oberon. Ne pourrais-tu respecter mon antique chagrin? Ton chagrin n'est rien comparé à la catastrophe qui va s'abattre sur l'Angleterre. Les Saxons? Ils sont venus. Dans ce cas, il nous faut un nouveau roi Arthur et de nouveaux chevaliers de la table ronde. Il nous faut une grande armée et des alliés romains. Les Romains ont quitté l'Angleterre depuis plus de 10 siècles. Aujourd'hui, les alliés sont américains. Mais ça revient au même. Toi, Morgane, tu sais l'endroit où repose Arthur. Appelle-le, réveille-le. Hélas, il est trop tôt. Arthur doit encore dormir quelques siècles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un conte de fées? Évidemment, que veux-tu que ce soit? Mais le sous-marin allemand, lui, il est bien réel. Nous devons agir. Et trouver quelqu'un. Alors prévenons un soldat. Les soldats sont dans leur caserne, ils tuent leurs pierres. Il n'y a personne. Personne. Voyez là-bas, ce marin qui dort. Ou qui songe peut-être. Il songe les yeux ouverts. Et ceux qui songent ainsi sont dangereux, car ils ne savent pas quand leur songe prend fin. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Réveille le peuple. Réveille-toi, Corto Maltese. Bonjour, joli corbeau. Je suis rompu. Si tu ne m'avais pas réveillé, je serais mort de froid. Qu'est-ce qui m'a pris de venir dormir ici? Je dois être fou. Comment tu t'appelles, joli corbeau? Je m'appelle Puck. Et Robin Goodfellow. Mais c'est ce que je pensais, je suis fou. Voilà que je bavarde avec les corbeaux, je ferais mieux d'arrêter de boire. Au revoir. Attends. Thank you.
s'est-il passé? Le coup est parti par accident? Non, je voulais... Mais au dernier moment, j'ai été lâche, encore une fois. Je regrette de vous impliquer dans cette histoire, mais... Je peux faire quelque chose pour vous? Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. J'ai commis plusieurs erreurs. Entre autres, celle d'être amoureux de ma femme. À cause d'elle, j'ai trahi mon pays et sali le nom de ma famille. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Qui sait? Peut-être parce que je suis en train de mourir. Peut-être parce que j'ai besoin de me racheter. Ma femme, Rowena, elle est très belle. Très dangereuse aussi. C'est une espionne allemande. Il faut prévenir l'armée. Accrochez-vous. Je vais aller chercher quelqu'un. Non, allez à Tintagel. Vite. À Tintagel. Avant qu'il ne soit trop tard. Aidez-moi. Aidez-moi à enlever un peu de cette saleté qui me recouvre. Juste un peu. Il est mort. Major Vortigern Welsh, de l'infanterie légère du duc de Cornouailles. Tu vas expliquer tout ça au commando. J'ai rien à voir là-dedans. Ça va se lever. On commence à apercevoir la côte. On doit être près du château. Regarde. C'est elle. Préparez la chaloupe, lieutenant. Comment va maman? Maman est toujours avec ses géraniums. Quant à papa, il vient de mettre au point une intraveineuse pour Canary. Et il relie Schiller. Toujours romantique. Mon Dieu. Comme j'aimerais être en Allemagne. Voici la corvette de l'état-major allié. C'est une chance qu'il ait choisi cet endroit. Le ministre de la Défense a suivi les conseils de Vortigern. On a prévu de couler cette corvette tout à l'heure, pendant leur grande réunion. C'est une cible facile. Tu as bien travaillé, Rowena. Par ordre du Kaiser, j'ai l'honneur de te remettre la croix de fer avec fioriture, brillant et épée. C'est stupide. Je suis émue. Après cette action, nous devons éliminer Vortigern. Pourquoi? L'argent ne lui suffit plus? Il s'est mis à boire, il parle trop. Ça devient dangereux. Il a trahi son pays pour de l'argent, il pourrait très bien nous trahir pour regagner son honneur. Allez-y. Moi, je passerai en Irlande après avoir éliminé Vortigern. L'état-major est arrivé. Cap au 256. En avant, doucement. Ouais, du remorqueur. Il y a un sous-marin allemand dans le fjord. Il faut le... Oh. Préparez tube 1 et 3. Tube 1 et 3, pareil. Commandant, un remorqueur. Il se dirige droit sur nous. Oh, y a quelqu'un là? Pourquoi cries-tu? Nous sommes ici, Corto. Mitrailleur en position.
Dis-moi, grand-père, on ne devrait pas être à la retraite? Occupe-toi de tes affaires. On est touché! On brûle! Tant pis. On brûle! Quand on est au bal, il faut danser. Continue à avancer, tire! Des tirs! Regardez, commandant, c'est un sous-marin. Il tire sur un remorqueur. Un sous-marin allemand. Levez-le! J'ai jamais vu ça! Ils ont pas un pack avec le câble! Tout le monde dessus! Souquet, mon Dieu! Courage, mon vieux! Il y avait un vieux marin et une jeune fille. Il n'y a pas d'autres survivants. Je regrette. Un vieux et une jeune fille. Mes hommages, Lady Rowena. Voici le marin qui a sauvé l'état-major. Mes compliments, monsieur. Vous avez agi en héros. Votre mari disait vrai. Vous mentez fort bien. Je suis impressionné. Que voulez-vous dire? À vrai dire, je ne le sais pas moi-même. Depuis ce matin, les choses s'enchaînent un peu trop vite. Je me réveille à Stonehenge, à demi-mort de froid. Je rencontre votre mari qui vient de se tirer une balle dans le cœur. Soudain, le brouillard tombe et je suis ici, à Tintagel, face à un sous-marin allemand et à une collègue de Matari. J'ai l'impression qu'il ne vous trouve pas très sympathique, ce corbeau. Maudit, c'est le démon qui t'envoie. C'est pas comme ça qu'on se sert d'un couteau. Qui es-tu? L'accusé ayant été reconnu coupable d'espionnage et de haute trahison, le présent tribunal condamne Lady Rowena Welsh à être exécutée. Sur le champ. Je vous prie de m'excuser, messieurs. Je ne voudrais pas laisser un mauvais souvenir au peloton d'exécution. Un moment, sergent. J'aimerais dire deux mots à ce marin. Vous avez causé la mort de mes deux frères et ma défaite, mais je ne vous en veux pas. Un témoignage de mon estime. Adieu. Peut-être vous souviendrez-vous de moi parfois. Eh oui, Corto. T'es vraiment sans gêne comme réseau. Commandant, l'amiral m'a chargé de vous remettre la Conspicuous Gallantry Medal. Vous serez content d'apprendre qu'avec la médaille, il y a un prix en argent. Content n'est pas exactement le mot. Avec toutes ces médailles, je vais finir par ressembler à un vieil étendard glorieux. Tiens, en voilà le brouillard. Eh oui. Eh bien, qu'attendez-vous pour vous montrer? Si je vous ai à nouveau convié ici, ce n'est pas pour me retrouver seul comme une mitre. Ne te fâche pas, Oberon. Tout le monde n'a pas le grade de colonel ni une voiture personnelle. Tu as fait du bon travail. Où est le marin? Il dort. C'est bien. Maintenant que nous avons repoussé les Saxons, nous serons tranquilles pendant
Au moins 20 ans. C'est vite passé, 20 ans. Et nous n'aurons pas toujours un roi Arthur ou un Corto Maltese pour défendre notre terre enchantée. Ne soyez donc pas si sombre. Notre monde ne mourra jamais. Aussi longtemps qu'il se trouvera un rêveur dans l'une ou l'autre des deux Bretagnes, nous existerons. Ce que tu viens de dire là est la plus belle chose que j'ai jamais entendue, Morgane. Ce fut beau de vaincre tous ensemble. Mais une fois encore, il faut nous séparer. Adieu, ami. Adieu, Oberon. Ne m'arrache plus à la douceur de mes songes. Adieu, Merlin. Va retrouver tes songes et ta mélancolie. Mais que caches-tu donc entre tes mains à droite? Les médailles. Elles ont glissé de sa poche. Cesseras-tu jamais de chaparder? Au fond, c'est sans doute mieux ainsi. Il n'aura aucune preuve de cette aventure. Pour lui, ce ne sera guère qu'un conte de plus. Adieu, Doré. Adieu, Pâques, doux printemps. Réveille-toi, Corto Maltese. Bonjour, joli corbeau. Rompu. Si tu ne m'avais pas réveillé, je serais mort de froid. Qu'est-ce qui m'a pris de venir dormir ici? Comment tu t'appelles, joli corbeau? Je m'appelle Puck, et Robin Hood fait l'eau. C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mais c'était un rêve, évidemment. Évidemment. Écoute, mon vieux, j'ai rien contre les corbeaux, mais je ne peux pas me promener avec toi toute la journée. Que diraient les gens? Corto, Corto... Est-ce toi qui parles ainsi? Qu'est-ce que ça peut nous faire, ce que disent les gens? Il était peut-être de la famille de cet écrivain qui a enlevé tant de Frida. Que je vous hais, vous autres Anglais, avec vos écrivains voleurs de femmes. J'espère que ce lieutenant était vraiment parent de l'écrivain. Le déshonneur de la famille serait lavé. En partie, du moins. Je me demande ce que tante Frida a pu lui trouver pour abandonner ainsi ses enfants, son mari. Mais je reconnais qu'il n'est pas mauvais comme écrivain. Après la guerre finie, la fille d'Armentières, seule comme avant-hier. Quand les boys seront repartis, mademoiselle can go to hell. Après la guerre finie. J'adore cette chanson, Capitaine Godwin Mayer. Je vous en prie, parlez-moi encore d'Hollywood. Avec ta personnalité et ta beauté, tu ferais un malheur là-bas. Maudit, maudit Américain, il emporte ma bien-aimée. J'en ai le cœur brisé. Que faire? Que faire sinon mourir? C'est troublant, cette légende. Elle est vraiment d'actualité. Tu as raison, mais je ne pensais pas l'entendre de ce côté-ci de la Manche.
T'as vu? C'est Guinmer. L'aviateur français? Je trouve qu'il a l'air raide. Moi, je l'admire. Pourquoi serais-tu comme ça? C'est un héros. J'ai parlé avec Rothschild. Il préférerait que tu renonces à voler. Juste pour quelques temps. J'ai pas besoin de nounou. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai promis d'essayer. C'est un jeune homme, têtu. C'est un jeune homme. Trop jeune. Beaucoup trop jeune. Lorsque cette guerre sera finie, et elle finira bientôt, Cain pourra être utile à son pays. Bien plus utile qu'une plaque à sa mémoire. Un excellent Bourgogne, côte de nuit 1911. Pour les Bordeaux, tu viendras au château, n'est-ce pas? J'en serai ravi, Rothschild. Et merci pour ces bouteilles, je vais attendre une occasion spéciale pour les déboucher. Mais j'aimerais mieux que ce ne soit pas pour l'enterrement d'un jeune homme. Ne t'inquiète pas. Pour Cain, je vais trouver quelque chose. Alors, tu t'en vas? Oui, demain matin. Je descends un peu plus au sud, vers les tranchées australiennes. J'ai retrouvé une vieille connaissance. Hein? Pandora va se marier. Elle était amoureuse de toi, je crois. Elle n'a jamais voulu le reconnaître. Et je l'ai trop souvent vue assise sur les dunes de Cap Cod, à regarder la mer. Avec qui se marie-t-elle? Oh, l'imbécile habituel est effroyablement ennuyeux. Tu aurais pu te manifester. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce qu'elle te trouvait. C'est peut-être cette boucle d'oreille. Allez, faut que j'y aille. Là, tu pourras les déboucher, tes bouteilles. Non, je les garde pour une occasion spéciale. Je t'en trouve autant que tu veux, moi, des occasions spéciales. J'ai dit non. Bois ton Moselle et fiche la paix à mon Bourgogne. Hé, hey, vous entendez? Vous voulez certainement bonne. C'était le Baron Rouge. Non. Le Baron Rouge? Il nous a descendu 80 galons, on va avoir honte. C'est peut-être pour ça qu'il est rouge. Il nous aurait fallu une mitrailleuse. Une mitrailleuse? Ce qu'il nous fallait, c'est que tu sois sous, t'es, je t'ai déjà dit 1000 fois de pas rester sobre. Quel sale caractère tu as, Sandy. Je ne comprends pas que tes hommes ne t'aient pas encore cassé la figure entre deux assauts. Ça va, Corto, ton petit sourire, je pouvais déjà pas le supporter à la prison de Canberra. Alors aujourd'hui... Tu me fais très peur. S'il avait été sous, il l'aurait abattu d'un seul coup. Clem est le meilleur tireur de toute l'armée australienne, mais uniquement quand il est sous. Quand il est sobre, il vaut rien du tout. Si tu l'avais débouché ton côte de nuit, on serait débarrassé du Baron Rouge. Ouais, c'est un truc pour boire mon vin. Dis-moi, t'as pas chaud avec ta fourrure? T'as l'air d'un singe en vacances. T'es jaloux, hein, jeune homme? Hé, hey, leur v'là. Mon soucoupe, buveur de bière. Les Australiens aussi boivent de la bière, Sandy. Inutile de t'échauffer, Sandy, ces bouteilles, je te les donnerai pas. Moi, tu deviens avare, Courteau. Je te connaissais autrement. Alors, Maurice, Renard t'a encore fait enrager? Penses-tu, c'est lui au contraire. Il vient de m'abîmer un pantalon tout neuf, juste sur le derrière. Et sinon, des nouvelles? Quelles nouvelles veux-tu qu'il y ait? Des dizaines de milliers de jeunes gens meurent chaque jour, privant le monde de leur intelligence, de leur beauté, de leur force. Mais tu as raison, il y a de nouvelles. Ils sont contents de toi, au commandement. Ils ont décidé de te faire une surprise, en te mettant en communication directe avec chez toi. Allô, maman? Ah, c'est toi, papa. Oui, ça va, ça va. Tu me passes maman, s'il te plaît? Maman. Tu sais, j'ai encore abattu deux avions anglais. Et je t'ai envoyé leur plaque pour notre collection. L'un de ces deux anglais s'appelait Lawrence. Il était peut-être apparenté à celui qui a enlevé Tante Frida. Ce serait bien, n'est-ce pas? Moritz va bien. Oui, moi aussi, je vais bien. Je vais bien. Non, attends. On raccroche à trois, d'accord? Un, deux, trois. À bientôt, maman. Ma mère te donne le bonjour, Reinhard. C'est très aimable à elle. Tu as vu? Le temps s'éclaircit. Thank you.
Hé, Corto, tu voulais le boire en Suisse, ton Bourgogne? Tire-toi, toi. Pourquoi tu l'engueules? C'est moi qui lui ai donné tes bouteilles. Laisse-le se concentrer. Comme ça au moins on sera sûr qu'il y a une balle dans le canon. Te voilà servi, Guillaume-t-elle. C'est lui! Où ça? Je vois rien, moi. Droit devant, abruti! Des histoires, tu ferais mieux d'aller les raconter au petit vieux de l'hospice. Tous ensemble, pas volonté. C'est impossible. C'est la première fois que Clem rate son coup. Tu devrais peut-être le prévenir que l'avion est passé. Espèce de salaud! C'est la plus belle histoire de guerre. Je t'interdis de rire, tu m'entends? Eh oh! Pourquoi tu vas pas pisser un peu contre le vent, hein? Ça te rafraîchirait les idées. Mais lui, il n'y en a qu'une seule qui l'a touché. Qu'une seule balle. Eh marin, regarde. C'est la médaille du Baron Rouge. 5 livres et tu l'emmènes chez toi. Désolé, soldat, j'ai passé l'âge de collectionner les timbres. Il a pas l'air si terrible couché comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il avait choisi ce métier, il le faisait plutôt bien. Ça devait finir comme ça, tôt ou tard. Voilà les huiles. Tout le monde va vouloir s'attribuer la mort du Baron Rouge. Tu sais, Sandy, les héros professionnels me laissent froid.
allemande. Ils veulent nous éloigner de l'avion. Le camion ! Clem ! Clem ! C'est ma faute. On devait s'associer à la fin de la guerre. Un élevage de moutons. Avec les bêtes, Clem est extraordinaire. Je veux dire, était. Ce n'est pas de ta faute, Sandy. C'est celle de la guerre. C'est dégoûtant, c'est injuste, mais c'est comme ça. Allez, toi, tu sors. Vraiment que c'est Clem qui l'a touché? T'as pas entendu le sergent? Une seule balle. Pour moi, il n'y a pas de doute. Si le Baron Rouge est tombé, c'est grâce à Clem et à ton côte de nuit. Si tu le dis. En tout cas, j'ai attrapé un bon torticolis à force de regarder les nuages. Parce que dans cette histoire...